Salut les gars, bon les gars et les gars, hein. Je viens d'aller chercher mon dossard, donc tout va bien. Donc cette année, il n'y a pas de puce à mettre aux chaussures, c'est donc sur le dossard et puis une puce à mettre sur le sac, hein, avec une petite attache, donc c'est une petite nouveauté. Donc comme vous avez pu le constater, le 50 km, donc dossard numéro 312, et puis un repas, une boisson. Qui nous attend à l'arrivée. Il fait déjà très chaud aujourd'hui. J'ai relevé sur mon thermomètre des températures de 33 degrés. Il fait chaud, il fait humide, il a plu toute la nuit. Voilà, donc les conditions vont être assez suffocantes. Un peu dans le même style que l'an dernier et il y a 2 ans, où il a fait super méga chaud. Bon les amis! Bon ben ça y est, c'est le départ, et il fait pas très beau, il fait tout gris, toutes les voitures sont perlées de pluie, bref, le temps est orageux, comme prévu, voilà, pas de surprise. Donc le départ en bus, c'est à 7h30 dans 40 minutes, donc j'ai le temps de rejoindre la zone d'embarquement. De 7h30 à 8h, il y a des départs de bus pour aller au stade couvert de Liévin, et c'est là où on va partir, et puis on va revenir donc sur le site minier du 9-9-B. Au parc des îles, donc là derrière on a le 205 et le 101, c'est les gros terrils là, donc ça a piqué là. Allez. De toute façon là c'est les sommets les plus difficiles là. Après c'est un peu plus soft. Voilà, on a vraiment, vraiment chié là. Bon, maintenant il y a ce terril là à faire. C'est beau, hein? Allez.
Je crois qu'on a passé le plus dur, les deux terrils les plus durs, ceux du parc des îles. Donc belle montée, belle descente, beau soleil, belle chaleur. Ça c'est un cocktail qui vous met à plat. Voilà, donc là je profite un peu de l'ombre de ces jolis arbres, du chant des petits oiseaux. Bon, il y a aussi des voitures qui passent, mais bon. Pour me reposer un peu avant de réattaquer. Bon, là, on est sur un joli single pour les hautes herbes, c'est rafraîchissant. Voilà, on est au kilomètre 36, 37 à peu près. Donc là, on est sur la première portion du canal de la Dole. Voilà, joli canal. Yeah, tout va bien, je vais bien. On attend en pipe pour sortir le caca, le caouet. On dit, voilà. En fait, ça va pas du tout. On sait plus où on est perdu. Je pense que l'esprit n'est plus net. Enfin, bref, on va mourir là. Aidez-nous. On va mourir seul, mais à trois. À trois. Bon, tout va bien. Bon, sinon, moi, je voulais vous faire voir un truc. Là, ici, là. Thibaut, il est en train de mourir, il est au bout de sa vie. Hop. Alors je me suis mangé un poteau, une signalisation, non, je ne sais même pas ce que c'est. Voilà, ils étaient là, ils étaient morts derrière. Donc j'ai les lunettes de traviole. J'ai un gros. Ça commence à gonfler peut-être un petit peu. Mais... Ouais, alors là, ouais, mon Dieu. Ouais. Alors demain, t'es défiguré. Voilà. Bonne veille. Ça va, Thibaut? Ça va. Franchement, le panorama, il est à couper le souffle. Allez, tout droit, là. Tout droit vers les stands.
Non. C'est la photo, ça. Putain, mais là, c'est le ravito. C'est là où elle mange. Il est au bout de sa vie, là. Ça va? Comment on repart là, il est là, en fait, hein? Ah, ça a pris plus. Et surtout, comment tu vas repartir, hein?